Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes dans l'émission, dans sa parole. Je me présente le prophète Alain Bamba, président de l'Église de la Sœur Christ. Nous sommes là ce matin pour vous exhorter sur un message qui, véritablement, sera d'actualité pour vous. Pour quiconque écoute, ça sera d'actualité pour lui. Donc, je vais prier le Seigneur pour véritablement présenter les cœurs, présenter l'esprit, l'âme de tous ceux qui vont écouter, afin que leur âme soit touchée, leur cœur soit touché, leur vie soit touchée. Que quelque chose de spécial se passe dans leur vie après avoir écouté ce message. Père, nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons pour tout ce que tu fais et tu continues de faire. Tu es l'autorité suprême, tu es l'alpha, tu es l'oméga. C'est toi qui as compté mes pas pour que je vienne ici ce matin, afin que ton nom soit glorifié. Dieu des armées, Dieu de puissance, que cette parole prenne le cœur, l'âme et l'esprit de tous ceux qui écoutent, et que Dieu des armées, Dieu de puissance, ma personne diminue, mais que tu sois sorti grandi de cette affaire, au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen là-bas. Seigneur, nous voulons véritablement toucher le cœur des individus par ce message, afin que quiconque écoute en vérité puisse être délivré et puisse être guéri, puisse être soulagé, mais puisse prendre des résolutions. Le thème de mon message ce matin est merci à Goliath. Merci à Goliath pour ce qu'il provoque dans la vie des uns et des autres. Je vous dis la vérité, si Goliath n'avait pas été, David ne serait pas. Il a fallu que Goliath soit pour que David soit révélé. Tu seras révélé par rapport à une épreuve. C'est l'épreuve surmontée qui va t'emmener à sublimer. Où que tu sois, quel que soit le lieu où tu es, sache que l'épreuve que tu es en train de vivre n'est pas une épreuve vaine. Elle est attestée. Afin que tu puisses croiser ta destinée. Afin que tu puisses croiser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est demain que tu verras pourquoi tu as souffert. Parce qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Mais laisse-moi te dire, je connais un frère en Christ qui lui aussi a souffert. Je connais un frère en Christ qui lui aussi a vu des jours sombres, des jours difficiles, des jours où il ne pouvait même pas voir une pièce ou bien un billet de mille. Mais aujourd'hui, il a oublié. Laisse-moi te dire que tu vas oublier un jour. Gloire à Jésus-Christ. Voici véritablement dans le livre de 1 Samuel 17, 34 à 51, l'histoire de David. David, véritablement, était un enfant hors mariage, un enfant adultérien, l'enfant que Issa a eu au dehors. Donc cet enfant était là pour tout. À la maison. C'était l'envoyé de la maison. C'était celui qui faisait tout à la maison. David n'avait pas l'amour propre. David n'était pas aimé, puisque ce n'était pas sa mère qui était là. Ses frères, c'est eux qui étaient là. C'est eux qui avaient tous les privilèges. C'est eux qui avaient la télécommande, certainement. C'est eux qui avaient les bombiers. C'est eux qui étaient à la bonne place. Mais David, qui était le fils adultérien, dit ça, c'est David que Dieu a regardé. Alléluia. Dieu a regardé David pourquoi? Dieu a regardé David pas parce qu'il était blond et beau. Dieu a regardé David parce que David avait une référence. C'est ta référence qui va te commander. C'est ta référence qui va te recommander, si tu veux. Dieu permettra qu'à cause de ton travail, à cause de ce que tu sais faire, l'Éternel permettra que tu sois reconnu partout dans le monde. Parce que lui, l'Éternel, il positionnera ton corbeau, il positionnera ton ange gardien, afin que cet homme-là soit un corbeau pour toi, afin que tu sois béni. Dans ton travail, David avait donc une référence. C'est le travail de David qu'il a recommandé dans les hautes instances. Dieu permettra qu'un jour tu sois recommandé. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu voit ce que tu es en train de faire. Dieu voit ce que tu vis. Dieu voit ce que tu touches. Dieu voit tes complaintes. Dieu voit aussi tes prières. Mais Dieu voit ton adoration. Mais Dieu veut voir
la qualité de vie que tu as autour de toi. Et c'est la qualité de vie que tu as autour de toi, ta manière de prendre les autres, c'est ce qui va déclencher l'amour de Dieu pour toi, et Dieu va te recommander, mais dans ton travail. David savait jouer peut-être la harpe. David était celui qui a pu attraper le lion, lui casser le cou, casser la patte de l'ours. C'était sa référence. C'était sa référence. Et cette référence l'a suivi. Cette référence l'a suivi. On dit c'est celui-là qui a fait tel. C'est celui-là qui a fait tel. Je donne un exemple dans le monde des gens du monde, du showbiz. Cela, on dit David Taïro, arrangé par David Taïro. Alors tout le monde allait chez David Taïro. Parce qu'il avait une référence. C'est lui qui a fait tant, c'est lui qui a fait ti. Alors tout le monde allait chez David Taïro. Et David Taïro est devenu riche. Ainsi, tu auras une référence. Par ton travail, par la qualité de ton travail, tu auras une référence et on te recommandera, et quand on te recommandera, ta vie va changer. Ta vie a été recommandée. Recommandée pourquoi? Parce que lorsqu'il jouait la harpe, Saül dormait. Daïr, qui était un roi, qui était possédé par cet esprit qui l'agitait, dormait lorsque évidemment David jouait la harpe. C'est ton art, c'est ta manière de faire, c'est ta qualité de vie qui te sera recommandable. Je dis merci à Goliath toujours. Merci à Goliath pour ce frère. Ce frère qui se promenait, qui marchait ça et là, qui ne savait où aller, il ne savait que faire. C'est vrai, il faisait comme les autres. Comme les autres se lèvent le matin, ils vont au placalidrome. Lui aussi, ce jeune allait au placalidrome, il allait au placalidrome. Lui aussi, il prenait la cravelle, il fumait, il faisait ce qu'il pouvait. Il cherchait les filles, il faisait sa vie et il se faisait appeler champion. Il errait. Mais lorsque Goliath a été suscité, Goliath a été suscité pour que cet homme se prenne en charge. Tout ce qui nous arrive n'est pas forcément un malheur. Tout ce qui nous arrive n'est pas forcément pour le diable. Mais c'est souvent pour que nous aussi, nous nous réveillons. Comment David s'est réveillé tant que Goliath n'était pas là? Quand le poignet de ta famille va se lever, le sorcier va décider de te manger. Tu vas te lever. Tu vas te lever pour rechercher la solution. Au départ, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils vont chez les charlatans. Ils voient que, malgré qu'ils sont allés chez les charlatans, ils ne tombent pas. Toujours le chien les poursuit, le bœuf les poursuit. Ils ne se retrouvent pas. Et finalement, en quête de solution, en train de chercher des solutions, ça et là, finalement, on dit que c'est les chrétiens qui peuvent faire. Il se rend donc à l'église, ce jeune homme. Il arrive à l'église. Il se rend compte que, effectivement, le jour où il met les pieds à l'église, la délivrance a lieu. Il tombe. Quand il se relève, il ne voit plus l'esprit de mort. Il ne voit plus l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit de mort, c'est ton Goliath. Celui qui te poursuit chaque nuit, c'est ton Goliath. Celui qui veut te tuer par étouffement, c'est ton Goliath. Celui qui se moque de toi parce que tu n'as pas réussi dans la vie, tu n'as pas encore devenu quelqu'un, c'est ton Goliath. Quand les proches se positionnent, c'est ton Goliath. Merci à Goliath, parce que grâce à Goliath, beaucoup se donnent à Dieu et beaucoup se donneront à Dieu. Ceux qui sont allés signer le pacte, ils sont allés signer le pacte d'alliance pour les exorcistes rituels, afin d'avoir notamment de l'argent, des voitures, des belles femmes. Quand le temps arrive et qu'ils ne savent que faire, je dis merci à Goliath. Parce qu'en ce moment, ils sont obligés de chercher le véritable, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, celui qui dit et qui fait, celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter, celui qu'on appelle l'ancien des jours, celui qui proclame la liberté et la délivrance, celui qui proclame la paix et la paix atterrit dans le cœur des personnes qui le reçoivent. Car à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté des hommes, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais de Dieu. Et la liberté va venir parce que tu auras vaincu ton Goliath, parce que tu auras monté, surmonté cette épreuve, de sorte que, véritablement, après cette épreuve, la gloire de la seconde maison va éclater dans ta vie. Ta première vie, c'était une vie sans connaissance de Dieu. C'était une vie où tu errais ça et là. Mais ta seconde vie avec Christ, tu verras un grand changement. David
Je leur dis donc, dans le cadre, pour donner à manger à ses frères, j'ai lu la parole de Dieu par sa grâce, à partir du verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Tu dois terrasser le lion et l'ours de ta vie. Le lion de ta vie, c'est la pauvreté. Le lion de ta vie, c'est la moquerie. Le lion de ta vie, c'est l'échec. Tu dois surmonter ce lion et ce tous. Et quand tu surmonteras ce lion et ce tous, je dirais donc merci à Goliath qui t'a emmené à te sublimer, qui t'a emmené à sortir de toi, à sortir le meilleur de toi. Grâce aux sorciers de ta famille aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Grâce aux moqueries des voisins, des camarades, des classes, tu es devenu chrétien. Et ta chrétienté a été dynamisée par les moqueries, de sorte que tu n'étais pas arrêté à la surface, mais tu allais en profondeur. Et quand tu allais en profondeur, tu as croisé le véritable qui lui est en profondeur. Celui qui est en profondeur, c'est l'ancien des jours. Celui qui est en profondeur, c'est Jéhovah ici. Celui qui est en profondeur, c'est El Bibor. Celui qui est en profondeur, c'est El Rafa. Et quand tu l'as croisé, il t'a donné le pouvoir de devenir donc enfant de Dieu. Et tu as pu supplier ces épreuves. Aujourd'hui, quand ils te verront, ils se demanderont si c'est toi le même. Oui, c'est toi, car tu as vécu Goliath. Tu as vécu Goliath, tu as vécu le Goliath de ta vie. Tu as vécu l'épreuve de ta vie. Et cette épreuve qui a été surmontée t'a permis d'être au rang de ceux qui ont réussi. Laisse-moi te dire que le temps est venu où tu sortiras de l'ornière. Quand tu auras vaincu ton Goliath. C'est vrai, David a vécu son Goliath, mais est devenu roi d'Israël. Il a été référé à Saül afin de pouvoir jouer véritablement la harpe pour que Saül puisse dormir. Oui, Dieu le mettait à côté des rois. Pour que tu puisses réussir, tu seras à côté des rois, à côté de ceux qui peuvent t'enlever dans la misère ou te faire asseoir à la place des grands. Oui, en étant avec les grands, tu deviens un grand. En étant avec les grands, tu deviens un grand. On dit le cuisinier du roi, il n'est pas le cuisinier du quartier, c'est le cuisinier du roi. Le chauffeur du ministre n'est pas n'importe qui, c'est pas le chauffeur. Le roi, c'est le chauffeur du ministre. Tu seras référé par ta victoire sur Goliath. Merci donc à Goliath. Lorsque tu prends la décision de te libérer des chaînes de la famille, des chaînes de la sorcellerie, des chaînes de l'envoûtement, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Merci à Goliath, parce que grâce à Goliath, beaucoup viennent à l'église. C'est ainsi. Grâce à Goliath et le corona, beaucoup cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Quand le corona finira, certainement qu'ils retourneront. Mais pour d'autres, ils resteront. Toujours est-il que nous avons gagné quelques âmes. Alléluia. Car le corona n'est pas pour toi. Mais le corona est pour celui qui ne craint pas Dieu. Le corona est pour celui qui ne respecte pas les mesures d'hygiène. Je dis merci à Goliath. Le Goliath de ta vie, c'est ton ami qui te dit, tu travailles où maintenant? C'est lui le Goliath de ta vie. Tu travailles où maintenant? Tu es devenu quoi? Après toutes ces études, qu'est-ce que tu fais? Après tes diplômes, tu fais quoi? Laisse-moi te dire que si tu mets Jésus dans ta vie, en vérité et en esprit, et que tu le cherches en profondeur, tu le retrouveras. Et quand tu le trouveras, ta vie surprendra tes contemporains. Alors, je dirais merci à Goliath pour toi. Car à cause de la moquerie, à cause de la sorcellerie, à cause de tout ce que tu as vécu, tu es devenu un enfant de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Parce que David ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas utilisé les instruments comme tu lis. Il n'a pas utilisé les instruments de Saül. Mais il fallait que la royauté descende sur lui. Alors, les armures de Saül furent déposées sur lui juste pour qu'il soit en contact
avec la royauté. Car le père Esaü, c'est le symbole de la royauté, c'est le symbole de la sécurité d'Israël. Les armures de Esaü, c'était véritablement le symbole de la défense d'Israël. Et quand ce symbole est descendu sur lui, il ne pouvait pas marcher avec ce symbole. Ne pouvant pas marcher avec ce symbole, il est donc obligé d'enlever et d'utiliser ses propres armes. Tu as ton style à toi, que tu dois perfectionner. Tu ne dois pas marcher dans le style de l'autre. Tu as ce que toi tu connais. Ce que tu connais, il faut quoi? Perfectionner ça. Perfectionner véritablement ce que tu connais. Pour que tu puisses sublimer dans la maison de Dieu, tu puisses sublimer partout où tu seras. Laisse-moi te dire que tes qualités doivent être travaillées. Tes qualités doivent être travaillées. David a pris Saint-Pierre, il a pris sa gifleière pour aller tuer Goliath. Oui, perfectionne-toi. J'ai connu un danseur dans le temps, on l'appelait Ziguet. C'est dans sa danse qu'il a connu Oufoumani. C'est dans sa danse qu'il a parlé aujourd'hui. C'est dans sa danse qu'il est devenu millionnaire. Je veux dire, ce que tu connais, perfectionne cela. Quand tu perfectionneras ce que tu connais, tu verras que Dieu bonifiera. Et quand Dieu va bonifier, on dit c'est l'ascension. Dieu est capable. Là où la main des hommes s'arrête, Dieu est capable d'évangéliser d'une manière ou d'une autre. Qui peut convaincre ses païens si ce n'est la maladie? Qui peut convaincre ses païens si ce n'est Goliath, la maladie? Si ce n'est Goliath, la sorcellerie? Si ce n'est Goliath, les difficultés? C'est lui qui peut les convaincre à rentrer dans la maison de Dieu. Les gens saints rentrent facilement dans la maison de Dieu. Dès que tu leur parles, ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais les gens qui sont bien riches, les gens qui sont riches de leur péché, riches de leur argent, riches de leur orgueil, riches de leur comportement, n'arrivent pas à se convertir. Il faut qu'on puisse dire merci à Goliath de leur vie. Par le sida qui les frappe, par la maladie qui les frappe, par la guérison miraculeuse qu'ils reçoivent, et qu'ils se convertissent. Je dis donc merci à Goliath, grâce auquel beaucoup sont devenus des évangélistes, beaucoup sont devenus des pasteurs, beaucoup sont devenus des docteurs. Sinon, si Goliath n'était pas, ces gens-là n'accepteraient jamais. Et s'ils n'acceptaient pas, regardez, quelqu'un qui a accepté aujourd'hui par son biais, il y a au moins 10 églises. 10 églises qui contiennent au moins 100 personnes. 100 personnes par 10, on voit ce que c'est. C'est un travail. Il faut que tu vainques ton Goliath. Il faut que tu puisses sauter cette épreuve. Alors, je suis amené à dire en acte, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, sans tenir compte du temps où tu ne savais pas, où tu ne vivais pas toi-même, tu vivais par la télé qui t'a éduqué, tu vivais par les romans que tu as lus qui t'ont éduqué, Dieu, sans tenir compte de ce temps-là, t'annonce ce matin de changer ta position, de changer ta vision. Sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce à tous les peuples de se convertir. De se convertir car les temps sont mauvais. De se convertir quand tu regardes le taux de mortalité, de létalité au Brésil, quand il y a le taux un peu partout, tu n'es pas en fait. Dieu peut te rappeler à tout moment. Compte tenu de cela, il faut que tu prennes une décision de pouvoir te séparer de ton Goliath. Te séparer de ton Goliath, c'est se séparer de son péché. Se séparer de ton péché que toi seul tu sais. Tout péché est un péché. L'orgueil est un péché, la masturbation aussi, c'est un péché. Le voyeur est un péché, le menteur aussi est un péché. Par conséquent, débarrasse-toi de ton Goliath si tu veux avancer avec Jésus. Jésus n'exauce pas les pécheurs de peur qu'ils ne s'enorgueillissent pour dire malgré que je pêche, Dieu m'a béni. Dieu bénit ceux qui le craignent. Celui qui craint Dieu reçoit la bénédiction de l'Éternel. Débarrasse-toi de ton Goliath. De peur que nous on ne dise merci à Goliath, parce que pour que tu rentres dans la main de Dieu, c'est une difficulté qui va t'envoyer. Dieu s'en tenir compte donc du temps où tu ne savais pas ce que tu faisais, où tu allais au maquis, où tu vivais comme tu voulais. Aujourd'hui, il te pardonne tout ton péché. Il te pardonne le péché. Le passé est passé. Dieu te pardonne. Dieu te donne maintenant de revenir à lui. Reviens au Seigneur pendant qu'il est temps. Reviens au Seigneur pendant que
véritablement tu entends encore sa voix. D'aucuns auraient aimé, véritablement qu'on prie pour eux. Aujourd'hui, il y a un doyen qui me cherche pour que je prie pour lui. Il est propriétaire d'une grande menuiserie, il a beaucoup de millions, chaque jour l'argent rentre, mais la sorcellerie s'en fout de 2 millions. Ils ont pris la terre où il a marché, ils ont travaillé, et il va, la maladie tourne, circule dans son corps, il ne sait que faire. Il dit à sa fille, à qui il disait, ne va pas à l'église. Il lui dit, si ton pasteur peut venir prier pour moi, je dis merci à Goliath. Parce que grâce à Goliath, ce temps va accepter le Seigneur, il sera guéri, il ne mourra pas. Et il verra, il racontera le sort de l'éternel. Le temps est arrivé où tu dois prendre une décision. Une décision de conversion. Une décision pour que tu sois libéré des dominations, libéré des autorités, libéré des principautés, libéré des esprits mauvais. Le temps est venu toi, que tu te donnes véritablement à Dieu. Dieu s'est tenu compte de tes péchés. Dieu ne tient pas compte du péché de l'homme. Si Dieu n'a tenu compte du péché de l'homme, la terre sera détruite. Et personne ne sera sauvé. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu te tend la main pour te dire de venir à lui. Le temps est venu pour toi, pour que tu te donnes à Dieu en réalité. C'est-à-dire en esprit et en vérité. L'esprit souffle, il va où il veut, on ne sait où il va et d'où il vient. C'est-à-dire, Dieu va partir, car les faits de la terre sont marchés. Quelqu'un qui veut de la terre son marchepied, personne ne peut se cacher devant lui. Il dit une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, je vois le battement du cœur de cette fourmi. À partir de cet instant, rien n'est caché devant Dieu. Père, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et Dieu te transcendera, Dieu te transformera, Dieu te sublimera, Dieu te présentera aux nations, Dieu te présentera à ta famille, à tes amis, à tes connaissances. Dieu te présentera comme son fils, comme son enfant, comme celui en qui il a mis son esprit. Et que ta bénédiction ne sera pas la bénédiction d'un divin, mais la bénédiction de l'Éternel. Et la parole est sortie pour nous faire du bien. Quelle parole qui est sortie? Cette parole dit, Jean 1, 12 à 14, que je lis. Quand tu auras pris la décision de suivre le Seigneur, quand tu auras pris la décision de suivre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors Jean vient. Il vient pour te réconforter dans ta position. Il vient pour te dire que ce que tu as choisi, ta décision est une bonne décision. Alors je lis Jean 1, 12 à 14, que je lis par la grâce de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Point. C'est-à-dire, à tous ceux maintenant qui vont recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, à ceux-là, le Seigneur dit qu'il met un esprit nouveau en nous, pour que nous ne soyons plus comme des autres, que nous ne soyons plus comme un homme ordinaire. Quand tu acceptes, quand tu laisses ta vraie vie et que tu te dis, tu dis, Seigneur, je dépends de toi, tout dépend de toi, ma vie dépend de toi, alors il y a quelque chose qui se produit en toi. Et ce qui se produit en toi, c'est cette magie inexplicable. On ne peut pas expliquer. Au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole. Donc, cette parole-là est venue, c'était chair. Et nous ne l'avons pas reçue. Bon, ceux qui ne l'ont pas reçue, c'est leur problème. Nous, on l'a reçue. Et je t'exhorte à recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour que ta vie soit transformée par la parole. Par la parole. Pas plus ni moins. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand tu deviens un enfant de Dieu, pour ceux qui ont eu des enfants, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des enfants à charge, même les enfants de leurs frères et leurs soeurs, tu sais qu'à la rentrée, tu ne peux pas laisser ton enfant comme ça. Tu es obligé de payer ses études, tu es obligé de t'occuper de lui. L'enfant est un contact, est un prolongement de l'homme. Quand tu regardes l'enfant, c'est ta photocopie, c'est ton prolongement. Nous sommes donc le prolongement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. À partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, nous sommes dans le budget de Dieu. Dieu nous budgétise et il met quelque chose à notre disposition. Lorsqu'on est un ange
mange, mais pour nous surveiller, mais il met en même temps à notre disposition la provision. Toi-même, tu laisses une servante pour surveiller l'enfant. Dieu aussi met un ange pour te surveiller. Toi-même, on laisse le déjeuner de l'enfant. Quand on va au travail le matin, on dit, bon, il faut lui donner son biberon, il faut faire ci, il faut faire ci. Dieu aussi met la provision. Donc, le secret, c'est de devenir enfant de Dieu. Tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tout ce que tu vas demander, tu n'auras pas. Parce qu'on ne te connaît pas. Mais c'est le jour où on va te connaître. Quand tu es enfant de Dieu, alors quelque chose va se produire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, si tu crois en son nom, c'est-à-dire que tu dois croire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth comme le Seigneur de l'humanité, comme le Créateur du ciel et de la terre. Une fois que tu as cru à ça, tu deviens donc enfant de Dieu. Or, croire, c'est accepter. Croire, c'est une nouvelle mode de vie. Croire, c'est une nouvelle philosophie. C'est ça, croire. Après tout le monde, tu as accepté, c'est fini. Ça déclenche quelque chose. Ce que ça déclenche, c'est que, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté du sang. La volonté du sang, on est du même village, on est de la même famille, on est de la même famille, on est du même village, c'est le sang. La volonté des hommes, non de la volonté du sang, non de la volonté de la chair. La chair, c'est le même village. On dit qu'on est tous descendants du même père, du même grand-père, du même aïeul. Et ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Quand tu viens maintenant dans la société, tu viens avec des amis, tu viens avec des gens qui peuvent être jaloux de toi, qui peuvent aller avec ton nom chez le marabout. Tu ne dépends plus de la volonté de l'homme. L'homme ne peut plus décider de toi, c'est Dieu qui décide de toi. Chers frères, ce matin, je dis merci à Goliath pour ce frère qui aujourd'hui est devenu une bénédiction pour la nation. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, plusieurs évangélistes sont nés, plusieurs pasteurs sont nés, beaucoup de couples sont réconciliés. Grâce à lui, son ministère, véritablement en Jésus, a pu délivrer plusieurs familles, a pu envoyer plusieurs personnes à Paris, à Londres, en Italie, un peu partout. Par son ministère, des résurrections, des guérisons, des miracles. Mais si Goliath n'avait pas agi, si on n'avait pas dit qu'on devait le bouffer en sorcellerie, il ne serait jamais allé à l'église. Mais quand il a vaincu son Goliath, quelque chose s'est produit. Aujourd'hui, il est une bénédiction. Tu serais une bénédiction si tu subis cette épreuve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce message, que ce message vraiment soit un déclic. Pour plusieurs, un déclic pour ceux qui vont écouter, un déclic pour tous ceux qui cherchent le Seigneur en vérité et en esprit. Je vous remercie. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.